On avait dit réunion à 9h, il est 10h. 15h. Alors, on a des personnes en bus à dire, ils m'ont demandé de faire une petite réunion. Donc, on va tout reprendre depuis le début. Quand je dis depuis le début, c'est depuis là. Début. Les 35 heures. Que ça bien clair. Les 35 heures. Cher bus, c'est par semaine, pas par mois. Vous avez déjà 30 semaines que j'ai payé par an. Une pause d'une demi-heure, tous les quarts d'heure. Alors, à un moment donné, on va pas se plaindre, quoi. Tiens, hein, Hugo, quoi? Quoi, Hugo? Toi, tu n'as pas de pause. Mais non, Hugo, tu n'as pas de pause. Mais dis, pourquoi tu n'as pas de pause, toi? Parce que toi, t'es... au stagiaire, encore. Oui, je sais parfaitement, Hugo. Je sais que ça fait 7 ans que t'es stagiaire. Et mais t'es toujours stagiaire. Michel, tu veux une pause? Tu veux une pause? Eh bien, va nous chercher le café. Allez, je... Hugo, c'est un café dont t'aimes pas lâcher. Allez, tu dors de couleur. Je reprends. Toute activité de montage aéronautique nécessite une visite de qualité en poste et pré-montage. Et ça, c'est le lundi. Oui, je sais, Vilanti, je sais que tu n'aimes pas le lundi. Hein. Vilanti, je te rappelle aussi que tu n'aimes pas le mardi, mercredi, le jeudi. Il va mourir. Ah, maintenant, ça continue comme ça. Ça ne peut pas continuer. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Evo, quoi? Tu lui ramènes le café, très bien. Du Brésil. Écoutez, j'espère qu'ils sont encore chauds. Concernant le port du badge. Que ce soit bien clair. Le port du badge chez Airbus est obligatoire dans l'enceinte de l'Airbus. De la boîte, tu l'enlèves, hein, ça la fout mal à la moitié de mon équipe un mardi après-midi avec le badge, on voit une petite culotte et un col du Leclerc Blagnac. Stéphane, ah, fallait pas me regarder à ce moment-là. Stéphane, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Alors je sais très bien, Stéphane, je sais très bien que tu as peur de l'avion. Moi aussi j'ai peur de l'avion. Tout le monde a peur de l'avion. Mais toi, Stéphane, t'es pilote, putain. On a la chance chez Airbus, Stéphane, d'avoir 12 restaurants. 12 restaurants, c'est un privilège. Gomez, c'est un par jour. Qu'est-ce que tu fais, Gomez? Tu les écris un goémion ou quoi? Mais, possible. C'est quand même donné, si tu t'appelles Maïté, c'est pas pour tes talents de cuisinier, Gomez. Bruno. Oui, Bruno. Oui, le tuning. Sur ta frigo, ok. Sur les A380, stop. Le volant moumoute avec les sièges maqués, les jambes d'arrière et le casque avec qui fait la cucaracha, stop. Le tir à plein air, les enfants. Règle numéro 1, votre règle plus 1 a toujours raison. Règle numéro 2, si votre règle plus 1 a tort, vous savez faire à la règle. Vous le savez, puis ce sable. Vous êtes spécial, vous encore ou quoi? N plus 1, N plus 2, N plus 3, pourquoi tant de 1? Regardez les enfants, quand vous livrez un avion, faites le plein avant. La semaine dernière, les Qataris sont tombés en rade dessus dans le pic. Et Greg, le plein, tu le fais dans nos stations. Hein. Mais je m'en fous que ce soit mon cher au pas de la case, putain. Je t'ai dit 10 fois les ailes, ça passe pas d'un tuyau de fois, putain. Tu sais bien que tu broussilles, Greg, merde. Je suis figo. Merde, gars. Putain. Arrêtez, gars, petite question personnelle. Tu serais pas par hasard d'origine. Hein. Ariégeoise. Ariégeoise. Je savais. C'est bien de faire attention au budget, c'est bien de faire des économies, c'est bien. Par contre, de là à mettre les banquettes en bois et les chiottes à la turque, non.
immédiat dans le temps. Oui, à partir de maintenant, quand vous me sélectionnez un film pour les avions, vous méritez les séries comme Lost ou Les Survivants. Bien, voilà, ça c'était pour les mauvaises nouvelles. On attaque maintenant, allez. Bonne nouvelle. Alors, cette année, grâce au CE, on a réussi à avoir 150 places de plus en crèche. Donc, faites les gros. Oui, Greg, hein. Oui, il faudra aussi libérer des places en crèche. Mais ta fille, elle va sur ses 14 ans quand même. Et voilà, je ne sais pas si c'est tout dit. Ok, quelle heure est-il ? Oh, comme 15h12, 12 minutes de retard sur l'apéro. Voilà, fin de journée.